Yo les postes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha! Alors on est à moins de 48 heures de la fin du mercato et là ça bouge dans tous les sens Nono, donc on va commencer avec les départs. Accord contractuel entre Levin Kurzawa et Fulham selon Fabrizio Romano. Les discussions avancent entre le Paris Saint-Germain et le club anglais. Contact très positif, c'est un transfert définitif qui est en question et en discussion Nono. Kurzawa à Fulham, enfin le Paris Saint-Germain va se débarrasser de Levin Kurzawa, ce n'est pas fini. Le PSG cherche toujours une porte de sortie à Mauro Icardi qui pourrait finir à Galatasaray à la toute fin du mercato. Un prêt avec option d'achat obligatoire est à l'étude. En ce qui concerne Idrissa Gueye, discussion presque terminée entre Idrissa Gueye, Everton et le Paris Saint-Germain. Idrissa Gueye va s'envoler dans les prochaines heures pour Everton, pour le départ d'Idrissa Gueye à Everton. Le dossier est en cours de finalisation, Nono. Donc ces trois joueurs-là vont quitter le Paris Saint-Germain. Ah, bah écoute, alors Kurzawa, ça ressort du miracle, et ben tant mieux, Fulham est intéressé, le joueur peut peut-être se relancer. Bon, Idrissa Gueye à Everton, il retourne dans sa maison. Et tu m'as dit le troisième, pardon? Levin Kurzawa, Mauro Icardi à Galatasaray. Et Mauro Icardi à Galatasaray, et ben écoute, ça serait une très très bonne chose aussi. Alors, blocage dans les négociations pour le départ de Leandro Paredes. Le PSG veut un prêt avec une option d'achat qui peut facilement devenir obligatoire. La Juve ne veut pas d'obligation d'achat ou que l'option ne devienne pas facilement obligatoire. Tu veux pas aussi qu'on te le donne, tu veux pas aussi qu'on te paye pour l'avoir. Le problème, Nono, avec ces quatre départs-là, combien tu vas récupérer d'argent? J'ai l'impression zéro, hein. Bah c'est ça le problème. Et il y a un moment, il faudrait taper du poing sur la table. Malgré tout, Leandro Paredes, pardon, international argentin, on n'arrive pas à en sortir 2-3 sous. C'est complètement anormal. Je n'arrive pas à comprendre. Alors Arsenal a tenté le coup pour Leandro Paredes, mais Paredes veut aller que à la Juventus de Turin, donc les discussions se sont vite terminées. Donc voilà, en ce qui concerne Axel Disasi, Nono. Lui veut venir au Paris Saint-Germain, mais malheureusement, le Paris Saint-Germain ne continuera pas à négocier avec Monaco pour Axel Disasi. Fin de la piste, Axel Disasi pour le Paris Saint-Germain. L'AS Monaco demande 50 millions d'euros. Luis Campos a décidé d'interrompre le dossier. Ah ben, qu'est-ce que tu veux? Des joueurs qui ont été achetés 15 millions, des joueurs qui ont été achetés 15 millions, ils les revendent 50. Monaco, ben, ils sont bien gentils. Ils disent ça, il n'a rien prouvé. Donc voilà, il y a un moment, faut refuser. Voilà, Axel Disasi ne rejoindra pas le Paris Saint-Germain cet été. Alors en ce qui concerne maintenant Milan Skriniar, Nono, le PSG ne lâche rien. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que le PSG veut vraiment Milan Skriniar, hein, ça c'est sûr et certain. Maintenant, c'est Nasser Al-Khelaifi qui va prendre en main le dossier. Ça pousse en interne très très fort pour recruter Milan Skriniar, qui pourrait être parisien d'ici le 1er septembre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le PSG a joué la montre pendant plusieurs mois? L'Inter a refusé depuis plusieurs mois. Pourquoi l'Inter accepterait? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est Nasser Al-Khelaïfi qui va prendre le dossier en main. Est-ce que ça veut dire, en d'autres termes, ou entre guillemets, Nono, que Nasser pense que Enrique et Campos ne sont pas à la hauteur d'un joueur comme Skriniar pour pouvoir négocier, et que ce soit Nasser qui s'en occupe? C'est quand même assez bizarre. Ça veut dire que ça critique un petit peu, et ça met en doute le travail de Campos et Enrique, non? Non, moi je pense que Nasser va pousser un dernier coup. Bon, Skriniar est leur priorité numéro un. Je pense que Nasser va faire une dernière offre. C'est quand même lui qui a les clés de la bourse, les cordons de la bourse. Donc voilà, c'est le dernier ressort, c'est Nasser pour faire Skriniar. Alors Nasser Al-Khelaïfi va prendre en main le dossier Skriniar. Le président du Paris Saint-Germain va parler avec son homologue de l'Inter pour tenter de débloquer le dossier. Excusez-moi. Les positions de Galtier et de Campos sont très claires. Il faut ajouter Skriniar à l'effectif. D'ailleurs, Galtier l'a confirmé en conférence de presse, Nono. Ah, mais je pense que Crignard, c'est vraiment leur priorité des priorités. Ils lâcheront pas jusqu'au bout. Pourquoi ils mettent pas le prix alors? Eh ben, je sais pas. Je sais pas. Parce que pour moi, ça paraît très cher quand même. À mettre 80 millions d'euros sur un joueur de 27 ans qui est à un an de la fin de son contrat et qu'en plus, aucun club à part le Paris Saint-Germain est venu frapper à la porte de l'Inter de Milan. Alors certes, je sais hein, que tout le monde attendait que Skriniar soit libre l'été prochain pour attaquer. C'est pour ça que le PSG le voulait absolument cet été, pour éviter la concurrence l'année prochaine vu qu'il sera libre. Mais vu qu'il n'y a pas de discussion pour une prolongation, l'Inter est un peu bête. L'Inter, faut le vendre. 60 millions d'euros à un an de la fin de ton contrat, je pense que c'est une proposition honnête de la part du Paris Saint-Germain, non? Ah bah
C'est très très honnête, mais si Paris pousse comme ça, c'est qu'ils ont vu qu'il y a vraiment une priorité à recruter en défense centrale. On en a parlé tous les deux, ça nous a paru un peu faible à toi et à moi déjà lors du dernier match, donc c'est peut-être pour ça qu'ils poussent à bloc. Oh, t'es très gentil, moi je trouve ça très faible en défense. Alors je ne peux pas vous dire que c'est fini pour Milan Skriniar, il a été ciblé depuis longtemps, les négociations sont très difficiles avec l'Inter, mais il reste un peu plus de 48 heures avant la clôture du mercato. Ce sont les mots de Christophe Galtier. Ce n'est pas fini, Nono, hein. En ce qui concerne Fabian Ruiz, c'est fait. Il rejoindra Paris aujourd'hui et passera sa visite médicale normalement demain matin avant de signer son contrat de 5 ans. Un renfort supplémentaire au milieu de terrain. Là, c'est très clairement un joueur très physique, hein, 1m90, joueur qui peut apporter quelque chose dans l'impact physique, c'est ce qu'on cherchait. D'ailleurs, Galtier l'a confirmé en conférence de presse. On cible Fabian Ruiz depuis longtemps, il y a des discussions. Rien n'est encore officiel, on a déjà vu des signatures acquises qui ne se sont finalement pas faites, ça c'est vrai, il n'a pas complètement tort. Il va y avoir aussi des départs de notre côté. Moi ce que j'aime bien avec Galtier, Nono aussi, c'est qu'il n'est pas langue de bois, il va pas dire non, il n'y a pas de discussion alors qu'il y a des discussions. C'est pas comme le tocard là dont j'ai plus envie de dire le nom. Franchement ça fait plaisir de voir un gars débriefer des matchs après des matchs de foot et très clairement dire les choses en conférence de presse, ça fait plaisir. Un entraîneur sans langue de bois, tu vois ce que je veux dire? Ah bah ça nous change, hein. Un entraîneur qui parle ballon, qui parle recrue, qui parle mercato pendant les conférences de presse, et ben ça nous change de l'année dernière. Alors Nono, accord entre Carlos Soler et le Paris Saint-Germain, montant possible de l'opération 17 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Paris et Valence espèrent boucler le dossier ce mardi. Les positions se rapprochent. Carlos Soler viendrait dans un rôle de doublure de Neymar. Carlos Soler viendrait au PSG pour intégrer la rotation offensive. Discussion en cours entre le Paris Saint-Germain et Valence. Paris espère vite conclure le dossier, montant du transfert légèrement supérieur à 15 millions d'euros d'après l'équipe. Donc ce serait un petit peu une doublure de Neymar, Nono. En plus de ça, les stats de Carlos Soler lors des deux dernières saisons, c'est 22 buts et 12 passes décisives. Ah bah là, ça serait une excellente recrue. Alors là, tous les feux sont au vert, c'est-à-dire prix raisonnable, excellente recrue, joueur encore jeune, donc parfait. Ça serait une excellente recrue pour le PSG. Alors moi, j'ai regardé hier Valence Atlético Madrid. D'ailleurs, ça a été l'un des meilleurs joueurs du match, même si Atlético a gagné. Moi, c'est un joueur franchement très intéressant. Franchement, moi, j'aime beaucoup ce genre de joueur qui donne tout. Alors tout le monde me dit que c'est un petit peu un profil à la Sarabia. Non, moi je trouve pas. Je trouve que le mec il peut jouer un petit peu dans tous les postes. Il peut jouer plus bas. C'est un peu genre, bon, je vais pas exagérer, mais un peu du style à la Javier Pastore il y a quelques années. Bah, je sais pas, un petit peu à la Ravière, mais moi je dis que moi ce qui me plaît dans ce joueur, c'est qu'il met beaucoup d'intensité dans son jeu. Il marque des buts très importants. Il court, il défend, bah, c'est parfait. C'est parfait. Ça serait une excellente recrue. Alors c'est un milieu de terrain à la base mais qui peut jouer très offensif, c'est vraiment un enfant de Valence, hein. Il est né à Valence, il a été formé à Valence et son seul club ça a été Valence, donc voilà il a 25 ans, il est très 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 jeune en plus, donc là c'est très très bien maintenant cette nouvelle on va dire stratégie de recruter des joueurs jeunes et confirmés comme Fabian Ruiz 26 ans, c'est très très bien. Donc voilà les dernières infos Mercato. Nono, en ce qui concerne le match de demain, bah, il y aura vraiment de la rotation. Danilo Pereira va débuter en défense centrale, Kimpembe est forfait. On verra ce que ça donnera, parce que Danilo Pereira, je pense, a une vraie carte à jouer vu les performances de Kimpembe depuis quelques jours. Donc si Danilo Pereira veut vraiment jouer sa chance à fond, c'est le moment. Hakimi va aussi céder sa place à Nordi Mukiele pour ce match contre Toulouse. Il pourrait y avoir d'autres changements aussi. Sarabia lui aussi est forfait. Donc ça serait intéressant de voir tous ces joueurs-là demain. Et on espère que Paris va repartir vers l'avant, Nono. Eh ben, espérons. Bon, ben là, c'est le genre de match qu'il faut faire tourner un peu. En plus, il faut faire tourner parce que j'ai vu aujourd'hui qu'Ekitike commençait à bouder à l'entraînement. Il a eu que 12 minutes depuis le début de saison. Donc faisons tourner les joueurs, évitons-nous d'autres problèmes encore. Galtier a dit en conférence de presse que Hugo Ekitike aura du temps de jeu, qu'il a vraiment très envie de jouer et très envie de prouver. Donc ça, c'est très très bien. Danilo Pereira va être aussi aligné. Juan Bernat aussi va être titulaire à la place de Nuno Mendes. Donc on va voir un petit peu déjà ce que peuvent donner les joueurs du banc demain. Ça c'est très important, ça donne une idée générale. Donc voilà les postos, donc là ça va pas s'arrêter je pense hein, jusqu'à ce soir. Mais bon voilà, les priorités du PSG ce sera Skriniar en défense,
Fabián Ruiz, ça y est, c'est officiel, il reste plus que la signature et la visite médicale. Et pour l'offensive, ce sera Carlos Soler. Mais à l'arrivée, Nono, si Icardi s'en va, il n'y aura pas de vrai neuf de métier. Il y aura Hugo Ekitike et Soler qui pourraient peut-être remplacer les trois de devant avec Sarabia. Mais il n'y aura pas de vrai neuf comme cherchaient les dirigeants depuis 3 mois. On finira là-dessus. Est-ce que c'est un problème de ne pas avoir un vrai, vrai, vrai numéro 9, grand joueur de taille comme espérait Luis Campos? Je vais te dire, Sacha, moi, Ekitike me suffit. Voilà. Il a beau être jeune, et ben faut le faire jouer pour qu'il progresse. Tout le monde dit que c'est un futur crack. D'accord. Alors faisons-le jouer dans D'accord. des matchs comme mercredi contre Toulouse. C'est là D'accord. qu'il faut qu'il joue, ces mecs-là. Moi, j'ai Voilà. une question, Nono. Admettons, huitième de finale de Ligue des Champions, Mbappé suspendu, Neymar blessé. On fait quoi? Ah, là, on est un peu dans la merde. Je suis d'accord avec toi. Donc c'est pour ça. Donc on verra s'il n'y a pas une surprise d'ici là. Moi, franchement, bon, je pense que très clairement, ils ont vu que Mauro Icardi avait zéro de QI dans le cerveau et qu'il n'y avait rien à faire avec lui. Moi, j'aurais été le Paris Saint-Germain, Nono, c'est ce que j'aurais fait. Tu vas me dire non, c'est n'importe quoi et tout. Vu qu'il n'y a pas d'attaquant, on va dire, en dessous de 60 millions d'euros, et en plus de ça, bah, tous les joueurs que voulait le PSG bah, ont été pris, hein, les Lewandowski, les Scamacca, les Haaland, les Vlahovic, les Lukaku, etc., etc. Moi, honnêtement, ce que j'aurais fait, bon, Carlos Soler, c'est très bien, hein, mais ce serait une doublure de Neymar à l'arrivée, ce serait pas un vrai Je neuf. sais ce que tu vas dire. Je sais ce que tu vas dire, je sais que tu lis dans mes pensées. Moi, j'aurais fait revenir Edinson Cavani. Ah, ben ça c'était. Ça, je vais te dire quelque chose. Ça aurait été excellent. Ouais. Mais par contre, je suis pas pour les joueurs qui reviennent dans leur club, surtout quand c'est. Est-ce que tu pensais que j'allais dire ça ou c'était autre chose que tu pensais? Non, je pensais que tu allais dire autre chose. Ben, Dis-moi, bon. dis-moi ce que c'était quoi? Je pensais que tu allais m'assister avec Ronaldo. Non, non, non. Après, va savoir, hein. Va savoir, il paraît qu'encore il y a Naples et le Sporting qui n'ont pas voulu apparemment, mais bon, ça va jouer jusqu'à la fin. Attention, Nono, tu sais quel club est sur Ronaldo maintenant? Non. Le Red Bull Salzbourg, qui joue la Ligue des Champions, hein. Vu qu'il veut jouer la Ligue des Champions, le gars va savoir, hein. Il est capable de tout. Mais en tout cas, moi, vu que ça s'est mal fini avec Cavani, qu'il n'a pas eu quand même le départ souhaité, l'ovation qu'il aurait mérité d'avoir Voilà, c'est pour ça. vu qu'il y a eu le Covid, Cavani sur le banc, pourquoi pas? Le mec, on aurait été sûr qu'il se serait battu pour le PSG. En tout cas, c'est Valence qui va le recruter et Valence, Cavani va venir remplacer Carlos Soler. Mais en tout cas, voilà, on verra. Et une fois qu'il y aura d'autres infos, les postons, on reviendra vers vous. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été là et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss! Tchuss!